Avec l'aide de Dieu, on va lire une lettre de Rabbi Nathan qu'il écrit à son fils. Et il lui dit comme ça, « Il nous faut avoir bien à cœur d'appliquer les paroles de nos sages de mémoire bénie qui ont dit que l'homme prenne l'habitude de déclarer que tout ce que fait le miséricordieux vise le bien. » C'est un précepte de foi, de croyance, de émouna. C'est un principe que c'est quelque chose, c'est la base de tout. C'est de dire que, en fait, que on doit prendre l'habitude de dire qu'en fait, tout ce que fait le miséricordieux, tout ce que fait Dieu, ça vise le bien. C'est que pour le bien. C'est pas pour, c'est rien, il n'y a rien de mal. Il n'y a que du bien. Seulement, on ne le voit pas. Mais de savoir et de le dire que c'est pour le bien. Ça, c'est un principe de foi, de croyance.
Il lui dit, j'ajouterai qu'il nous faut en particulier appliquer ce qui est écrit dans les livres de notre maître, Rabbi Nachman. C'est-à-dire que l'homme doit savoir que tous les événements qui surgissent dans sa vie viennent pour son bien. Maintenant, tout ce qui se passe avec nous, chacun en particulier, en général, tout ce qui se passe dans le monde, en particulier avec nous, tout ce que les événements qui viennent se présenter à nous, dans notre vie, viennent pour notre bien. Et que si on arrive, si on arrive à parvenir à cette chose-là, c'est-à-dire que de savoir que tous ces événements, ils sont pour notre bien, alors, il dit Rabbi Nachman, qu'il va obtenir, cette personne, elle va obtenir un avant-goût du monde futur. En fait, on vit des situations où, si vous voulez, dès qu'on commence à mettre notre intellect, on n'a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. On peut poser 1000 questions et il n'y a pas de réponse. Et donc, à cause de ça, le fait qu'on n'ait pas de réponse, ça nous met dans une situation, une certaine frustration, parce qu'on cherche une réponse. Mais en fait, avec ce qu'il nous dit, le conseil qu'il nous dit Rabbi Nachman, c'est-à-dire la voie qu'il faut chercher, la direction dans laquelle il faut aller, c'est en fait de savoir d'abord, de savoir que c'est ça la vraie vérité. La vérité suprême, et la vraie vérité, c'est de savoir que tout ce qui se passe avec nous, alors tous les événements, ils sont pour notre bien. Et que si on arrive, en tout cas, de savoir que ça existe, c'est là-bas qu'il faut chercher. Alors, qu'est-ce qu'on va, on va tirer de cette chose-là quand on le sait? Chacun à son degré, bien entendu. Et ça, c'est dit pour tout le monde, parce que n'importe quelle personne sur Terre, à partir du moment où elle va travailler dans ce sens-là, de savoir que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien, il va chercher là-bas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va obtenir un goût du monde futur. Le monde futur, c'est tout le contraire de ce monde-là. C'est-à-dire que ce monde-là, il est rationnel, il est limité. Il y a des questions, il n'y a pas de réponse. Le monde futur, c'est un monde où tout est un, tout est expliqué, et on voit du bout, d'un bout à l'autre de la Terre, tout est limpide. Il y a réponse à tout. Il y a même plus de questions, parce que c'est même plus au niveau de la parole. Tout ce qu'on voit, on le comprend. Ça, c'est le monde futur. Ça veut dire, et ce monde futur-là, bien entendu, il est beaucoup plus long et beaucoup plus, et il est éternel par rapport au monde dans lequel on vit. Pour l'instant, il y a des événements dans la vie de chacun qui font que la personne, elle perd cette chose de savoir que c'est Hachem qui fait les choses et que tout ça, ça vise le bien. Parce que quand une personne, elle sait que les choses, elles visent le bien et que c'est une vérité absolue pour lui, alors il va pas s'inquiéter, parce que c'est Hachem qui dirige son monde. On est tous très très jeunes dans ce monde, parce que Hachem, ça fait 5784 ans qu'il a créé ce monde. Donc on est vraiment très très jeunes par rapport à comprendre qu'est-ce qui se passe avant, après. Mais ça, c'est une voie, une vérité absolue, de savoir que Hachem, tout ce qu'il fait dans tous les événements qui arrivent dans le monde, et chez chacun en particulier, ça vient dans sa vie, et ça vient pour viser le bien, que pour son bien. Et quand une personne, elle arrive à ancrer ça en elle, alors elle va avoir un avant-goût du monde futur. Ça veut dire qu'elle est complètement branchée. C'est qu'elle passe, elle surpasse le problème. Et c'est que comme ça qu'on peut le surpasser. C'est pas impossible d'une autre manière. Parce que surpasser le problème, c'est d'abord de savoir qu'on comprend pas, mais que c'est pour le bien. Et là, à ce moment-là, on rentre dans la confiance en Dieu. Et quand on rentre dans la confiance en Dieu, qu'est-ce qui se passe? On commence à voir des miracles. On commence à voir comment Dieu il protège, comment il fait ça. Et on voit que les miracles, on voit pas l'autre côté. L'autre côté, il est obscur, on le comprend pas, et on est très très limité. Rabbi Nathan, il dit à son fils, de plus, c'est justement grâce à cela que l'on acquiert
la possibilité de se renforcer dans la prière pour chaque chose. C'est-à-dire que quand maintenant une personne, elle va savoir que tous les événements qui surgissent dans sa vie, c'est pour son bien, et que grâce à ça, elle va avoir un avant-goût du monde futur, alors ça va l'aider pour prier pour chaque chose. Parce qu'il va sentir qu'il a besoin de l'aide pour tout. Il voit que... C'est quoi la connexion? La connexion, c'est de savoir que maintenant, chaque seconde de ma vie, Hachem, c'est lui qui me le donne. C'est la connexion de sentir qu'Hachem, il donne un code à tout à chaque seconde, etc. Tout ça, ça va nous permettre de pouvoir prier, de libérer la prière. En effet, il est nécessaire de tenir ce discours devant le Saint béni soit-il. Alors nous, l'Arabi Nathan, il dit à son fils... Comment il faut venir devant Hachem? Comment il faut venir pour lui parler? Il faut lui dire, maître du monde, il va de soi que ton intention est pour le bien et la mansuétude, la miséricorde, d'accord? C'est tout ce que tu fais, on sait très bien que c'est pour le bien. Mais nous ne disposons pas de la capacité d'apprécier ce genre de miséricorde. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas les récipients parce qu'on est très faible, et qu'on est très sensible, et que on est par rapport aux événements, alors on n'arrive pas à comprendre que quand on voit certains événements, que c'est pour le bien et que c'est de la miséricorde. On n'a pas cette capacité d'apprécier ce genre de miséricorde. Et nous sommes contraints de réclamer que tu veuilles bien remettre la miséricorde entre nos mains. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui veut dire, c'est que tous les événements qui se passent, qu'on puisse les supporter, qu'on puisse les recevoir par rapport à notre degré tellement petit. D'accord? C'est ça la prière qu'il faut faire. Donne-nous cette miséricorde, nous on n'arrive pas à la décrypter, c'est trop dur pour nous. Mais donne-nous cette miséricorde dans notre main, que nous on puisse comprendre, qu'on puisse vivre cette situation dans la Emouna, d'accord? Donc là, tout ça c'est une chaîne. Je ne sais pas si vous avez vu, ça commence par le fait que tous les événements qu'on voit, qui surgissent dans notre vie, ils viennent pour notre bien, et que quand on arrive à ça, alors on reçoit un avant-goût du monde futur. Et grâce à ça, ça libère la prière, et après quand la prière est libérée, alors dans ce cas-là, on peut demander à Hachem de lui dire que tout ce qui se passe, en fait, on sait que toute ton intention c'est pour le bien, mais on n'a pas la capacité d'apprécier ce genre de miséricorde. Et si tu veux bien, mon Dieu, alors si tu peux remettre cette miséricorde entre nos mains. Il dit, cette notion est issue d'un enseignement de notre maître se rapportant au verset que le Dieu Tout-Puissant vous accorde la bienveillance. Alors il lui dit, or, mon cher fils, tu as déjà souvent eu l'occasion de constater chez toi, chez nos confrères, et même chez tout le monde, combien de sortes de souffrances, de problèmes d'argent et de soucis infiniment nombreux et différents déferlent sur chacun presque quotidiennement. Avec ce qu'il vient de dire à Rabbi Nathan, il a englobé tout le monde, la terre entière. D'accord? Personne qui passe au travers de choses qui se passent quotidiennement à tous les niveaux. Tout le monde est confronté à ça. C'est ainsi que cela se passe depuis que le monde existe. Comme je te l'ai indiqué précédemment, en m'appuyant sur des livres très anciens dans lesquels il est écrit, il n'existe point d'instant indemne de coup. Ça n'existe pas un moment où une personne elle a pas un désagrément. C'est pas forcément des coups, c'est un désagrément, quelque chose, un problème. Des fois, ça peut être un coup moral. Peu importe, mais ça tout le temps, le monde, il n'y a pas un instant qui est indemne de coup. Car l'homme vient au monde pour peiner. Il a certes écrit dans ta dernière, tu as certes écrit dans ta dernière lettre, donc Rabbi Nathan il dit à son fils, tu m'as envoyé une lettre, la dernière, que tu te qualifies de jeune homme dont l'âge se chiffre avec un petit nombre, donc tu es jeune, tu te qualifies de quelqu'un de jeune,
mais dont la dose de souffrance déjà subie se chiffre avec un grand nombre. C'est-à-dire que déjà dans ton jeune âge, tu as déjà beaucoup souffert. Mais ne peut-on en dire de même de l'ensemble de l'humanité? Comme il est écrit, sa courte vie est rassasiée de maux. C'est marqué dans les textes que la courte vie, ça veut dire qu'une personne, elle ne vit pas très longtemps sur Terre, d'accord? 80, 90 ans, 100 ans, 120 ans, bon Hachem, mais même 120 ans, c'est pas long par rapport à l'éternité. Alors sa courte vie est rassasiée de maux, il y a beaucoup de difficultés. Et on voit que notre patriarche Jacob, que la paix soit sur lui, il a déclaré aussi « Peu nombreux et mauvais furent les jours de ma vie ». Qu'est-ce que ça veut dire « peu nombreux et mauvais furent les jours de ma vie » Ça veut dire que la vie, quand il parle de vie, bien sûr c'est le patriarche Yaakov, quand il parle de la vie, ça veut dire que la vie éternelle, ça veut dire là où il était connecté complètement avec Hachem et des moments qu'il a vécu avec Hachem, c'est ça qui s'appelle la vie. Donc il y a eu de peu nombreux, ils étaient peu nombreux, et mauvais furent les jours de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments de vie, et c'est pour ça qu'on vit, c'est pour ces moments de vie-là. Mais si on prend les moments de vie par rapport aux moments de difficulté, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés sur cette terre. En réalité, nous nous sommes déjà très souvent entretenus de ce sujet. Mais il est visiblement nécessaire d'y revenir plusieurs fois. En effet, innombrables sont les changements qui s'effectuent chaque jour, chaque année, chaque mois et chaque instant dans le monde en général, dans la ville en général ou dans la famille, le groupe de ses amis et en particulier avec chacun, un par un. Donc Rabbi Nathan, il nous fait montrer comment le monde y marche. Pourquoi ? Parce que le monde y marche par rapport aux astres. C'est les astres qui font qu'il y a des changements constants. Et au-dessus des astres, il y a les anges. Et au-dessus des anges, il y a Hachem. Donc tout ça, c'est quelque chose qui roule. Et il y a sans arrêt des changements dans le monde. Par rapport à tout ce qui se passe dans le ciel, après quand ça arrive ici, ça fait des changements constants. Chez chacun de nous, dans une ville, dans une maison, dans une famille, pour une personne, même si elle est seule, c'est un monde entier où il va se passer là-bas beaucoup de choses. Une fois, hein, Rabbi Nachman, il a dit qu'en vérité, la guerre, elle se trouve partout. Alors, il va y avoir la guerre entre deux pays. Après, si vous prenez une ville, alors il va y avoir la guerre entre deux quartiers. Après, si vous prenez le quartier, alors il va y avoir la guerre entre deux voisins. Maintenant, si vous prenez juste une personne, une famille, alors il va y avoir la guerre dans la maison. Parce que, il dit Rabbi Nachman, même quand les enfants dans une maison, ils se chamaillent et ils se disputent, ça aussi, ça s'appelle la guerre. D'accord ? Et même si maintenant vous prenez une personne et que vous la mettez sur une île et qu'elle se retrouve toute seule, eh bien la guerre, elle va se trouver chez elle. C'est pour ça qu'en fait, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, les amis, il faut savoir que c'est une guerre intérieure dans chacun de nous et que ce qu'on voit, c'est ce qui se passe en nous. C'est-à-dire que Dieu, c'est ce processus puisqu'il vise que le bien et que le bien, ça veut dire qu'il va rester que le bien. Et que maintenant, ce qui est visé, c'est le mal. Le mal, il est en train, mais c'est une opération. Et c'est une opération douloureuse, très douloureuse. Alors, il y a le mal de l'humanité, il y a le mal, et jusqu'à qu'on va arriver chez l'individu, où cet individu-là, il a exactement la même guerre, c'est strictement la même chose, avec les mêmes violences, etc. Mais c'est à l'intérieur de lui. Donc, on est en train, c'est dans le cosmos, c'est dans toute la création d'Hachem qu'on est en train de tous vivre quelque chose où on sent où on est étiré de tous les sens, dans tous les sens, et tout ça se passe à l'intérieur de nous. Et donc, constamment, qu'est-ce qu'il fait Hachem?
C'est parce que le Saint béni soit-il opère des choses grandioses qui restent insondables. Tous ces changements-là, on comprend rien du tout. Ça reste complètement... On est aveugle, on comprend pas. Ainsi que des prodiges inouïs qui demeurent incalculables, et ce, jour après jour, sans limite et sans mesure. Ça veut dire qu'Hachem, sans arrêt, il travaille parce que il vise le bien. Donc maintenant, pour arriver à ce bien-là, il va falloir passer, parce que on est dans un monde ici où il y a le bien et le mal. Il va falloir passer et Hachem, il fait tout pour essayer de préserver de trucs. Il faut savoir que les hommes aussi, ils ont une responsabilité. Par exemple, je vous donne un truc écologique, tout simple. Et les hommes, ils ont une responsabilité s'ils ont caché la terre, s'ils ont abîmé. C'est une responsabilité. Il y a beaucoup de choses que, à cause de ça, ça a détraqué beaucoup de toutes les saisons. Il fait chaud, il fait froid, on ne sait plus. Il n'y a presque plus de saisons. La terre, elle est polluée. Ça, c'est une conséquence du comportement de l'homme sur terre. Il y a beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Hachem, lui, il vise le bien et que son but, c'est d'arriver à enlever ce mal. Néanmoins, il faut avoir foi. Et on peut d'ailleurs même le constater à petite échelle de nos propres yeux, dans le fait que la mesure positive est bien supérieure à la négative. Et ça, c'est la vérité, les amis. Parce que si Bémet, on était connecté et qu'on prenait conscience combien Dieu, du matin au soir, pour une personne, pour nous particulièrement, chacun, voilà, s'il fait rien que le calcul, comment il s'est levé, il est, grâce à Dieu, il arrive à marcher. Chacun, il peut avoir des listes entières de voir que combien Dieu, la bonté de Dieu, la mesure, elle est beaucoup plus positive dans le bien que du côté négatif. Car les bontés de Dieu sont intarissables et sa clémence ne fait jamais défaut. Ça veut dire que maintenant, même dans les pires choses qu'une personne, elle peut passer, il faut savoir que Hachem, il est avec lui et ses bontés sont intarissables. Et je vais vous dire, je voudrais faire une parenthèse que je voudrais vous faire partager, parce que je sens que c'est quelque chose qui abîme énormément. Et avec tout ce qui se passe autour de nous, alors beaucoup d'entre nous sont amenés des fois à voir des vidéos, des toutes sortes d'images, des trucs, des choses qui se sont passées, plus ou moins excessives. Et il faut savoir, les amis, que c'est quelque chose de très, très dangereux et très néfaste. Et je vais vous dire pourquoi. Il faut savoir que quand une personne a là une épreuve, c'est son épreuve à elle. D'accord ? Quelle que soit l'épreuve, peu importe. C'est son épreuve à la personne elle-même. Donc, quand Hachem, il envoie une épreuve à quelqu'un, il lui envoie avec toute la panoplie, toute la force, il est à côté de la personne et il la soutient. Et si la personne, elle a le mérite, elle va avoir des miracles autour par rapport à une catastrophe. Maintenant, quand une personne, elle est spectatrice et qu'elle se permet de voir des vidéos, des choses, ça veut dire qu'elle se projette dans l'épreuve de l'autre. Et ça, c'est très, 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 très mauvais. Pourquoi ? Parce que quand il se projette dans l'épreuve de l'autre, ça veut dire qu'il essaye de s'imaginer s'il était à la place de l'autre. Et s'il se met à la place de l'autre, il va commencer à faire entrer de la peur chez lui, parce qu'il dit, voilà, truc, alors que ça ne le concerne pas. C'est sûr que ça nous concerne à tous, qu'on est tous dans la peine et qu'on doit tout faire pour aider, etc. Dans l'action, il n'y a pas de problème, il faut aller jusqu'au bout et donner sa vie pour ça. Mais de rentrer dans des pensées à cause de si vous voulez, de regarder des images sans être actif et juste en faisant rentrer du poison en nous, ça c'est quelque chose de très, très dangereux et très nocif. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire, pourquoi ? Parce que quand on dit que la dose de positive, elle est plus grande que celle de négative, tous les gens ils pourraient dire, mais attendez, regardez ce qui se passe. C'est vrai, il se passe des choses très très dures, mais il faut savoir encore une fois que c'est pas nous qu'on a été touchés.
Et donc, dans ce cas-là, il ne faut pas réveiller, si vous voulez, la peur par rapport à des images. Et les images, ça fait très, c'est très, très dangereux. C'était juste une parenthèse que je voulais dire par rapport à ce qu'il dit Rabbi Nathan. Parce que ça nous empêche après de voir les bontés de Dieu qui vraiment sont intéressables et qui se renouvellent chaque matin. Au matin, elles se renouvellent, toutes ces bontés. Autrement dit, les bienfaits du Créateur se renouvellent de façon générale et de façon personnelle pour chacun de nous, un par un. Et si vous voulez, la peur, le manque de voir que c'est Hachem, de savoir qu'Hachem ne vise que le bien, et ce manque-là, il amène la personne à ne pas voir ce renouvellement que Hachem il se renouvelle pour chacun de nous, chacun de nous personnellement. Il y a quelque chose de nouveau, tout est possible, et il y a l'espoir, et la simcha, il y a tout. Nous avons déjà expliqué que l'homme a besoin de conseils profonds chaque jour. Alors il dit à son fils, pourquoi de conseils profonds? Parce qu'on n'arrête pas de se mélanger les pinceaux. Quand on ne sait pas quoi penser, on est torturé par des émotions, etc. Donc on a besoin de conseils profonds chaque jour, des vrais conseils, pas des conseils qui aident, qui guérissent, qui font voir comment il faut voir le monde, comment il faut vivre tout ça, comment le vivre. C'est-à-dire qu'il doit crier du profond de l'abîme, autrement dit du fond du cœur, à l'instar du psaume de David qui a écrit du fond de l'étroitesse, j'ai invoqué l'Éternel. Ça veut dire que maintenant, comme on a besoin de conseils tous les jours pour pouvoir continuer les étapes d'après, d'accord, de pouvoir avancer et de vivre pas dans l'angoisse ou dans la crainte ou dans le souci de vivre, d'accord. Alors, comme on a besoin de conseils, comment faire? Lui, le roi David, comment il arrivait à puiser ses conseils? C'est ce qu'il nous dit ici. C'est un des enseignements de Rabbi Nachman qui ramène ici Rabbi Nathan. Il disait, le roi David, de l'étroitesse, j'ai invoqué l'Éternel. C'est-à-dire qu'en vérité, notre seule bouée, c'est que plus c'est étroit, plus comment on élargit cette étroitesse, c'est quand on va crier du fond de notre cœur, au plus profond de notre cœur, et on va implorer Hachem. Est-ce que jusqu'à ce que l'homme creuse et découvre des conseils profonds qui se renouvellent chaque matin, comme il fait allusion le verset, il fait émerger des ténèbres, des choses qui étaient profondément enfouies. Les ténèbres, c'est les recoins obscurs de notre cœur, c'est ça les ténèbres. Et là-bas, comme il y a la peur, alors il n'y a pas de conseil. Pour ça que le Rambam il dit qu'il ne peut pas venir de salut sur un cœur qui a peur. Un cœur qui a peur, le salut ne peut pas arriver là-bas. Parce que la peur elle-même, c'est quelque chose de anti. C'est complètement symétralement opposé de la Emouna et de la croyance en Dieu. Parce que là où il y a Hachem, il n'y a pas la peur. Ça n'existe pas la peur. On connaît la peur d'Hachem, la crainte d'Hachem. Mais et même cette crainte, on ne la connaît pas parce que la vraie crainte, c'est une crainte avec de l'amour. Ce n'est pas une crainte comme on peut voir au cinéma ou à Hollywood. Ce n'est pas ça la crainte. Et donc, au fin fond de notre cœur, il y a des endroits obscurs. C'est ça. Il faut arriver là-bas et au lieu d'avoir peur, de crier et de demander à Hachem qu'il fasse de notre étroitesse qu'il va invoquer Hachem de là-bas. Maintenant, quand il va invoquer Hachem dans l'étroitesse, dans les endroits les plus obscurs qui lui font peur, et que là-bas il va crier vers Hachem, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à recevoir là-bas des conseils. Ça veut dire que ça va commencer à s'éclairer. Il y a des choses qui vont s'éclairer autour de son problème, et il va recevoir un apaisement. C'est ça les conseils dont qui parle ici Rabbi Nathan. Et il nous dit ces conseils ils constituent l'essentiel des bienfaits qui sont fournis quotidiennement. Alors c'est encore plus fort.
C'est-à-dire que maintenant, tous les jours, il y a des nouveaux conseils, comment faire pour pouvoir vivre la journée qui nous attend. On est sorti de comme on parle en hébreu, la chigra, la routine, d'accord, le quotidien. On est sorti de ça, on n'est plus là-bas, que ce soit en Israël ou partout dans le monde. On nous a sorti de notre routine et maintenant on a besoin de conseils profonds pour pouvoir savoir comment aborder chacun sa vie, chacun sa journée, chacun comment il va faire. Chacun il est dans des situations difficiles, que ce soit avec la famille, que ce soit un truc, il y en a qui ont été arrachés de leur maison, il y en a qui ont été obligés de partir de leur maison. Il y a besoin de conseils. Tout le monde est touché par ça. Il y a besoin de conseils. Ces conseils, ils viennent parce que on est dans l'étroitesse et que c'est là-bas qu'on va les recevoir. Quand on va proclamer, quand on va demander, quand on va supplier Hachem de nous élargir cette étroitesse, on va lui demander. Pour terminer, Rabbi Nathan dit à son fils, « Je te rappelle que grâce à ces conseils, la foi est attirée dans ce monde, ce qui apporte la guérison complète. » Les conseils que Rabbi Nathan vient nous dire par rapport aux enseignements de Rabbeinu, dans la lettre qu'il envoie à son fils, il dit que ces conseils, grâce à ces conseils, alors on attire la foi. Et que quand on a la foi, alors ça apporte la guérison complète. C'est ça la guérison. Comme cela est expliqué dans la leçon Tikkun Emouna, dans la leçon 5 de l'Ikoutei Moran, du deuxième volume. En fait, toute cette lettre, elle tourne autour de cet enseignement 5 du deuxième volume de l'Ikoutei Moran. J'ai simplement ajouté sur la base de cet enseignement, que nous avons besoin de cela chaque jour. C'est d'ailleurs sous-entendu dans cette leçon de notre maître, quand il dévoile que ceci s'apparente à la création du monde qui a commencé par l'obscurité et s'est poursuivi par la lumière. Or, ce phénomène se produit chaque jour. On sait que dans la Torah, quand il y a deux semaines, on lisait la paracha Bereshit, et là-bas, il y avait tout le processus de la création du monde. Le premier jour, Vayerev, Vayiboker, Yom Rishon, il se fut la nuit, ce fut le jour, un jour. Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'il veut nous dire, c'est que de l'obscurité, il va sortir une très très grande lumière. Une très grande lumière, seulement, il faut que se brancher sur la création du monde. Hachem, tous les jours, le monde qui a eu aujourd'hui, il est fini. On est rentré dans la nuit maintenant. Hachem, il va créer un nouveau monde et demain matin, c'est un nouveau monde. Et c'est là-dessus qu'il faut se brancher. C'est que là-dessus. Tous les jours, en sachant qu'Hachem, il vise que le bien et que tout ce qui se passe, c'est que pour notre bien ultime et providentiel et pour notre protection. Voilà les amis. Bezrat Hachem, cette lettre de Rabbi Nathan, elle nous a un petit peu ouvert un petit peu le cœur, Bezrat Hashem. Si vous avez des questions, Mevakasha. Oui, merci pour ce très beau cours. Qu'est-ce que vous entendez par conseil? C'est conseil en général ou simplement quand on est à la recherche des enseignements de Torah? Les conseils, ça veut dire que chacun il est confronté dans sa vie de tous les jours à des soucis, à des désagréments. Et que maintenant, il a besoin de conseils comment vivre la situation elle-même. On peut perdre le moral, on peut être irrité, on est, si vous voulez, éprouvé sur des émotions qui sont un petit peu extrêmes. On est d'accord? Oui. Et donc là, il faut des conseils. Comment je vis ça? Moi, je vais vivre avec Hachem. Comment je fais pour vivre comme ça? Alors, c'est la question c'est, si je suis à la fin de ces conseils, je les trouve où? Alors, on l'a expliqué. Il dit que on doit faire comme David Ameller. Que David Ameller, il dit que dans l'étroitesse, je t'ai invoqué. C'est-à-dire qu'il nous explique Rabbi Nathan que dans le cœur, il y a des endroits obscurs. C'est dans notre cœur qui a la peur. D'accord? Donc maintenant, c'est justement dans cette obscurité qu'il y a dans notre cœur, où on doit aller là-bas
Et de là-bas, de cet endroit là-bas, Hachem, Ana Hachem Oshiana, sauve-moi, sauve-moi. Ça, et c'est ça, et c'est quand je suis dans cette détresse, c'est ça qui va amener, qui va élargir la chose. Parce que la personne, quand elle va faire ça, alors elle, de là-bas, elle va recevoir des conseils comment tenir dans sa situation. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris, Madame Fitoussi? Oui, j'ai compris. Non, j'ai l'impression qu'il y a, un truc que vous avez peut-être pas compris. J'ai compris qu'il faut être dans la situation pour vivre, pour oui, comprendre, mais pour avoir accès. Le conseil, c'est que maintenant, quand la personne, elle va souffrir dans une situation, elle va être. Donc maintenant, ça se passe. Elle souffre, elle a mal au cœur. C'est difficile, d'accord? C'est dur, c'est un poids. Donc elle doit aller là-bas. Et elle va demander de l'aide à Hachem. Elle va crier, dans sa détresse, elle va crier. C'est ça la prière, Madame Fitoussi. C'est de crier dans sa détresse, sinon c'est pas une prière, sinon c'est quoi? C'est que je demande à Hachem, aide-moi, je suis pas bien, aide-moi. Alors quand il va faire ça, de là-bas, il va sortir des conseils qui vont l'apaiser de cette prière-là, il va sortir un conseil il va trouver la voie pour pouvoir tenir dans cette situation dans laquelle il est maintenant. Vous avez compris? Oui, ça veut dire que le conseil, il peut venir de n'importe où. Nous, notre travail, c'est d'implorer Dieu. Mais déjà d'avoir fait cette prière, le conseil, il est là. Parce que dans la mesure où la personne, elle va libérer sa détresse et qu'elle va la mettre vers Hachem, automatiquement, il va recevoir là-bas, dans cet endroit obscur, il va éclairer cet endroit obscur, il va sentir que déjà, même s'il ne s'est rien passé, il n'y a rien qui a changé, il va être déjà, waouh, ça va, je suis bien, j'accepte, je suis là, Hachem, il est là, à Kol Beseder, tout va bien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le conseil. Maintenant, et c'est sûr que ça peut être aussi des conseils où il va attirer vers lui un conseil. Soudain, on va taper à sa porte, on va lui dire un truc, ah oui, voilà, justement, tac, il va avoir le conseil, ce qu'il a besoin. En fait, ce qu'on demande à Hachem, c'est de nous aider. On est dans des moments extrêmes, on lui demande de nous aider. Le peuple juif et le monde entier, si les gens ils ouvraient les yeux, on est dans une grande détresse. Alors, bon, Hachem, Rabbi Nathan nous a dit comment, mais il faut savoir qu'il y a la détresse et il y a les bienfaits qui se renouvellent chaque jour. Et ils sont intérissables, ils sont innombrables, ils ne s'arrêtent jamais, jamais. Hachem, il n'arrête jamais de faire que du bien, du bien, du bien, du bien, du bien, du bien. Ça ne s'arrête jamais. Alors, il faut le savoir, il faut savoir cette chose-là. Et que, avant la lumière, il y a l'obscurité. Vayerev, vayiboker. Bezrat Hachem. Là, maintenant, le cours fantastique que vous nous faites ce soir, c'est quelque chose qu'on vit tous, qu'on a tous eu de. On a tous vécu au niveau individuel, mais là, on est dans une grande, grande détresse collective, là, au-delà de ça. C'est ce qu'on a dit aussi, Madame Fitoussi, c'est qu'elle est collective et elle est particulière à chacun. Parce que cette détresse-là, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir que c'est une guerre qu'il y a en nous-mêmes, qui se réveille. Alors des fois, vous savez, le côté obscur, il est là, il est latent, il dort. Là, il est en train de se réveiller en nous, dans le monde, partout. Et ça veut dire qu'il est en train de se passer un comment on appelle ça, un birour, une ramification, un tri, et un birour qui est en train de se faire. Et ce tri-là, alors vous savez, quand on enlève, comment dirais-je, du coton qui s'est mélangé dans des ronces, c'est compliqué, ça fait mal, c'est pas un truc. Mais ça va que vers le bien, que vers la lumière, que vers le Mashiach, il y a que ça. Il faut avoir de la simra. Béhémet, il faut avoir de la simra. Il faut être fort parce que ça n'existe pas chez nous, la peur, la désolation, le découragement, ça n'existe pas. C'est quelque chose de à bannir. Ça n'existe pas. Là, on n'est pas à ce degré, pas de problème. Alors je vais faire là où je suis, je vais faire mon travail. Mais une chose qui est sûre, c'est que je me sauve de tout ça. Quand ça vient vers moi, je le veux pas. Parce que je me sauve. Je sais que c'est un poison, que c'est dangereux et que j'ai pas le droit. Pas le droit de tristesse, pas le droit de truc. Ah, je suis malade, pas de problème. Ok. Je suis malade, que ça revient à chaque fois, mais je vais me battre. Je vais me battre. Et je me bats. Et ça. Vous avez l'impression que j'ai ce soir avec Eli Cohen, c'est qu'on a fait des cours dans des situations qui n'étaient déjà pas sympathiques avec le corona, tout ça. Ouais. On a certainement, grâce à Dieu, on est depuis
3 ans, je ne sais pas combien de temps, à suivre vos cours, Ben Pourat Yosef. Et chacun a passé ses épreuves pendant ce temps-là, mais j'ai l'impression que tout ce qu'on a étudié jusqu'à présent, c'était la théorie. Que là, maintenant, on est dans les travaux pratiques. Là, on est dans les travaux Vous avez pratiques. tapé, Madame Fizoussir, quoi, la cabot, vous avez tapé dans le mille. C'est exactement ça. Parce que quand on parle maintenant de détresse, etc., la détresse, il faut être là-bas pour savoir qu'est-ce que ça s'appelle la détresse. Et là, BMET, on est en détresse. Mais attention, la détresse, ça ne veut pas dire qu'on est, au contraire, dans cette détresse-là, on a qu'un seul sauveur. C'est Hachem qui va nous sauver. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous sauve. Et c'est chez lui qu'on va voir. Personne. Et quand on va faire ça, alors c'est un puits. Quand on va faire ça, c'est un puits qui va amener des conseils et qui va amener une accalmie. Et c'est ça. Et il faut le faire tous les jours. Il y a rien d'autre à faire. Il faut faire ça tous les jours. Et aussi savoir que chaque jour, c'est un nouveau jour avec de la nouvelle miséricorde, des nouveaux bienfaits, que du bien. Voilà. Et c'est ça qui nous fait montrer Rabbeinu. C'est ça qui nous fait montrer. C'est ça la vérité. Et celui qui s'écarte de ça, alors on connaît ce qu'il y a de l'autre côté. C'est pas, y a rien. Y a rien. C'est se fermer sur soi-même, de la peur, le souci, le c'est, voilà. Bezrat Hashem, ou Baruch Hashem, Baruch Hashem. Excusez-moi, bonsoir, Rav, c'est Rava. Mais vous ne pensez pas que depuis 2 ans qu'on fait les cours tous ensemble, Rabbi Nachman nous prépare. Il nous prépare à cette épreuve et à la délivrance finale. Il nous exactement. C'est ce qu'elle a dit, Madame Fitoussi. Ça revient à ce qu'elle a dit, Madame Fitoussi. Tous ces cours-là, c'est pas pour devenir intellectuel ou pour apprendre des théories. C'est pas ça du tout. Ces cours-là, c'est une énergie qu'au moment où on en a besoin tous les jours, même quand ni sans le corona, sans la guerre, on en a besoin tous les jours. Mais comme c'est là, c'est le moment, comment on dit, le moment propice. C'est là exactement. On appelle ça le moment de vérité. Voilà, c'est le moment de vérité. Au Hachem. Et bon, au Hachem. Mais comment... Pardon. Allez, Allez-y, Madame Mazal, allez-y. Non, je voulais savoir par rapport à la Simra, parce que c'est dur d'avoir la Simra quand même. La Je Simra, m'essaye, mais... la Simra, regardez, il y a un grand rave de Yerushalayim, Rav Breslev, qui s'appelle Rav Yaakov Meir Charter. C'est un très grand Mekoubal. Il a plus de, peut-être 90 ans. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup souffert. Et c'est même être un grand tzaddik. Il a dit, quand il y a des tilim, ça veut dire des roquettes, alors ce qui les détruit, c'est quand on chante. Quand on va chanter, ça va les neutraliser. C'est-à-dire qu'en vérité, quand il y a une sirène, il faut chanter. Ça, c'est une chose. 2 secondes, j'ai pas fini. Et le Rav Besançon, il a parlé, j'ai parlé avec lui aujourd'hui, hier, et il m'a dit que Shabbat, ils se sont rassemblés et il a parlé 4 minutes. Il a eu des difficultés à parler. Et il a dit, Rav Charter, il a dit ça, et qu'en vérité, d'après Rabbeinu, c'est chanter, mais avec de la folie. Ça veut dire qu'il faut être, faut avoir une joie délirante. Sachez, les amis, que la joie basique, ça marche plus, c'est fini. Ça marche plus parce que, si vous voulez, la raison, elle prend le dessus. La vraie vérité, c'est que Hachem, il est avec nous, il nous protège, il nous surveille, il est avec nous. Et la peur, c'est le côté obscur. Cette peur-là, c'est elle le danger. C'est tout. Il y a pas, il y a pas, il y a... Et la simcha, c'est que grâce à Dieu qu'on croit en Hachem, grâce à Dieu qu'on sait que c'est lui qui fait tout pour le bien et que c'est la simcha qui va tout changer. C'est que ça. C'est que ça. Parce que vous voyez pas que tout ce qui se passe maintenant, c'est les dernières forces du mal qui se déchaînent et qui veulent nous mettre dans un état de morosité, etc. Quand quelqu'un il est morose, il peut rien faire. Rien du tout. Rien qui peut se construire dans la morosité, ça n'existe pas, c'est pas possible. Comme il a dit le Rambam, je vous ai dit que le salut ne peut pas venir dans un cœur triste ou qui a peur, c'est pas possible. Parce que ça ne fait pas partie de notre héritage, c'est pas ça notre héritage.
Notre héritage, c'est qu'on a un Dieu et que dans toutes les situations où on a passé dans le monde, il a fait des miracles et il nous a sauvés et on est encore là. On est encore là. Mais il faut savoir une chose, parce que je veux dire une chose. Les gens, ils se sont peut-être un petit peu endormis. La vérité, c'est que la civilisation, elle n'a pas avancé d'un millimètre. C'est-à-dire que la barbarie, c'est la même d'il y a 70 ans ou d'il y a 150 ans ou il y a 200 ans. Il n'y a rien qui a changé. C'est peut-être encore un peu pire. Et ça, si vous voulez, le monde entier est en train de, il est en train de se réveiller. Où c'est que le monde il a été? Où c'est que ça arrivait? Et qu'en vérité, c'est toujours les mêmes qu'on vise. C'est le peuple qui a la conscience. Et c'est comme ça. Maintenant, moi, je rentre pas dans la politique. Ça, c'est pas du tout mon truc. Mais ce que je voulais dire, c'est une guerre avec la conscience, le bien et le mal. Et Hachem, c'est lui qui fait la guerre, c'est pas nous. On fait aucune guerre, nous. On fait aucune guerre. Il faut avoir de la foi au tzadikim, de la foi en Hachem. Il faut être fort et il faut garder la simcha. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Même c'est, si on n'a pas. C'est dur de garder la simcha. Non, c'est dur parce qu'on le prend mal. Mais Rabbi Nathan, il nous aide. Il nous aide à le prendre bien. C'est pas vrai. On le prend mal. On sait pas comment le prendre. Ah, ok, on sait pas, c'est pas grave. Parce qu'on est malade. Ok. Alors on va apprendre. C'est ce qu'on apprend. Et c'est ce qu'elle a dit, Madame Fitoussi et Chava. C'est que finalement, à la fin, c'est pour nous. Nous voilà, le moment de vérité, c'est maintenant. Et grâce à Dieu, Mazal. Grâce à Dieu, on peut discuter tout ça. Mais grâce à Dieu, on est encore là. Voilà, on parle de Rabbeinu. Oui, ben, en parlant, c'est tout ce qu'il faut voir. Le reste, c'est pas grave. Et ça, c'est Bezrat Hashem. Ce qui est, comme il dit Rabbi Nathan, que c'est un mouna, de croire que Hashem, il vise le bien. Et que tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien. Et que ça, c'est un avant-goût du monde futur. Tout ça, ça amène de la croyance dans le monde. Ce qu'on a fait ce soir, ce qu'on a fait ensemble ce soir, ça amène de la croyance dans le monde. Petit à petit, la réparation, elle se fait. Mais ça va que vers le bien. Voilà, chers amis. Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine, parce que cette semaine, on n'a fait que mercredi, Baruch Hashem. Et Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, on se retrouve lundi. En bonne santé et avec des bonnes nouvelles et beaucoup de simcha et s'attacher à Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu, c'est la force de Rabbeinu. Bezrat Hashem. À bientôt, chers amis. À bientôt. Au revoir.